Alors j'ai allumé le tableau de contrôle. Je sais plus s'il faut descendre maintenant. Il me semble pas qu'il faut descendre maintenant. Non, faut pas descendre maintenant. Je sais pas, je m'en branle. Mais descendre par où? Là. On va descendre, on verra bien. Peut-être faut des trucs bien évolués, ils auraient pas pu faire ça plus tôt, ça. En fait, tu restes dans la base pendant tout le jeu? Non. Après, tu bouges et tu vas dans une autre base. Ouais. Avec plein de corps, des dinos en plus. Voilà. Dinos plus puissants. Et une base plus évoluée. Et des dinos bien plus cassants. Et plus, et des corps plus bien plus massacrés, ah oui, plein de trucs déchiquetés partout et du sang plus sur les miens. Parce que tu dois à mort cette énigme de malade, tu dois recoller les os du gars. C'est... ouais, voilà. C'est un truc de barjo quoi. C'est... Le dernier boss, c'est un putain de dino ça. Non, c'est un T-Rex. C'est un T-Rex. Un T-Rex comme les autres. En fait, ça, c'est pas. Le 2, c'est la suite directe du 1. Pas direct, mais ouais, c'est la suite. Ah, ok. Et il y a plusieurs fins, tu m'as dit. Non, le 1, ouais. Je sais pas comment il pourra avoir plusieurs fins, mais. Ouais, parce qu'il y en a une où tu. Bah, t'as vu l'alternative par exemple. Là, ça a changé. Du coup, le mec il était déjà mort et. Ah oui, c'est vrai. Et bah là en fait, c'est la trappe de secours. Donc là c'est mieux en fait. Et toi t'as déjà vu les 3? Ouais, ouais. Et quand t'as les 3, c'est énorme. Parce qu'en fait, quand t'as les fins, t'as des tenues spéciales. Et quand t'as les 3 fins, t'as une tenue, c'est génial, t'es habillé en préhistorique. Et tes armes, c'est carrément préhistorique. T'as des os, t'as des. C'est énorme. C'est trop bien ça. Ouais, sauf que quand je dis que t'as des os, enfin t'as des os, mais c'est le fusil à pompe en fait, c'est énorme. Ah, t'as un os et ça fait le fusil à pompe. Mais il tire? Ouais. C'est what the fuck. Il tire quoi? Il tire des. Des balles. De la moelle ou quoi? Bah pourquoi pas. Hein. Alors, de la médicaine plus, voilà. Mais t'as quand même des munitions et tout ça? Ah ouais. Ça doit être marrant ça. Ouais, c'est vraiment fait. Bon, t'as déjà fait le jeu 3 fois, t'as plus aucune raison de le refaire, mais. Ah oh, oui, aussi t'as des modes. Bah spéciaux. Si, c'est marrant. T'as des modes spéciaux. En même temps, c'est plus logique vu que c'est des dinos, voilà quoi. Je pense que c'est la carte de la grue encore. Si, c'est bon. Putain, mais avec toutes ces cartes, je sais pas comment tu fais pour t'y retrouver quoi. Oh, c'est putain de simple. Je comprends rien. Monter de 2, descendre d'un, okay. À la gauche, le prendre. Et voilà, c'est bon. Non, y'a rien de particulier à savoir en fait. Ouais. C'est une sorte d'énigme en fait, c'est putain de simple. Tout ce qu'on verra, c'est dégager le chemin. Ah ouais. Bah, ça, il suffit de le refaire si t'as pas pigé au début. Ouais. Enfin, voilà, c'est tout. C'est bon. Ça me rappelle un truc de Xenogears bien chiant. Là. Ah non, c'est pas fini. Merde, quel beat. Eh hey. Non, c'est peut-être pas Xenogears en fait. Putain, je fais tellement de RPG, je confonds tout, putain. Alors là, on va aller à gauche et on va le relâcher. Après, on va aller deux fois en haut. Deux fois à gauche. Non, c'était une très nice. Mais est-ce qu'elle peut pas escalader les caisses et nous faire chier? Non, elle a pas envie. Attends, tu vois, c'est des contenteurs quand même, regarde. Ouais, mon dieu. Tu grimpes comme tu veux, mais c'est pas grave, t'sais. Franchement, on avait survécu à l'aurore, il devrait pas foutre des énigmes comme ça. Il devrait foutre des trucs avec plein de monstres, putain, mais. Bah, c'est ce qu'il y a. Hein. Non, mais des putains d'armes là, fusil à canon, vas-y, dégomme-moi. Bah, y'en a un hein. Bah, pas dans ce jeu là, mais. Ouais, enfin voilà. Bah, c'est bon, elle est dégagée là. Ouais, oui, c'est bon, là. En fait, c'est le bordel, tu les poses où tu veux, du moins que tu dégages le truc. Ouais, voilà. Exit, magnifique. Exit. Et d'ailleurs, c'était même pas ça qu'il fallait faire maintenant en fait, fallait faire plus tard, mais au moins c'est fait. J'espère que ça va pas se remettre. Non, ça se remet pas. Bah, d'ailleurs, maintenant je peux plus activer le truc. Hein. On va débuter. Nanana. Tout ça pour accéder au corps d'un mec. Ouais. Putain, il s'est bien dissimulé le corps, tu sais. Bah non, mais c'est là où on était tout à l'heure. Alors, comment il est passé? Regarde, c'est là. Hein? C'est pour ça que je lui servais pas. Bah, j'étais pas là, moi. Si, si, là. Ça te dit rien ça? En fait, ça ressemble vraiment non. T'es déjà passé dedans. Hall de livraison aussi, ouais, le nom me dit un truc. Parce que tu dis non, moi je trouve aucun intérêt. T'es là. Avec le dinosaure qui nous a sauté dessus. Bref, voilà, on se. Mais alors, ça un repère vachement utile avec le dinosaure qui nous a sauté dessus. Toutes les salles, c'est comme ça, tu sais. Non, celle-là, y'en a aucun. Ah, tu sais, la salle avec du sang là. Ah oui, bien sûr. Ah, ok, ouais, avec un cadavre. Ouais, ok. C'est bien parce que tous les gens que tu vois, ils sont en morceaux. C'est bête, hein. C'est pourquoi cool. Alors, ouais, pourquoi ils les ont pas bouffés les dinos? Parce que... Ah oui, avec les poules. Oui, avec les poules, oui. Et puis on attend, regarde. Ah non, mais elle m'éclate les poules. Elles font triper les poules. Ouais, moi aussi. C'est énorme. Elles sautillent comme des poules là.
Ah non, les poules ça se tire pas. Ça mais si. Avec des ailes. Ouais, non, ça c'est un dindon plus que je ne fais en fait. Ah ouais, c'est vrai. Non, ça c'était un dindon. C'est une espèce de timbré qui veut te sortir de d'un centre là. Mais non, mais si ça se tire. Ah bah non, ouais. Ouais, les poules ça fait pas de part part. Ouais. En avançant la tête comme ça. Et c'était la fin de votre documentaire, la vie des poules. Sur la vie des de nos amis les animaux. Nos amis les animaux. Tous les animaux. Les volailles. Mange du salami, du salami. Ça te dit rien? Bah le salami ça me dit un truc. Non, le salami on s'en mange. Maintenant j'ai une tranche de salami. Non, c'est pas ça que je te disais. Non, ça c'est des gâteaux. Non, non, mais je cherchais. Non, maintenant j'ai une tranche de salami. Grâce à son fidèle. Non, non, tu sais, ça te dit rien. Ce que j'ai relu il y a pas longtemps, c'est le Tsuba. Quand elle rend le DVD. Et je veux pas le rapport avec les salamis. Si, parce qu'elle a ce goût en fait. De dire tous les animaux du monde sont nos amis, elle dit tous les animaux du monde ont du salami. Ouais, enfin, ça doit être une traduction de merde. Parce qu'à mon avis, ça avait aucun rapport à la base. Oui. De toute façon, qu'ils essaient de traduire du japonais en français, mais ça donne de cette saloperie. Ça a plus aucun rapport. T'as choucroute quand même, bon, ça. Attends, faut que j'aille. Ah oui, c'est bon là. Putain, hey. Autant en Evil, j'arrive à Resident Evil 3, j'arrive trop à me repérer, autant là, j'arrive pas. Ça se ressemble. Ça, ouais, voilà, ça se ressemble trop. Non, mais est-ce que tu l'as vu de. Bon, il est quand même fun comme jeu. Tu l'as vu comme ça, de haut vers le bas, le Tombéry. Oh, Fafar, ça bite. Oh, t'es horrible. Putain, mon Tombéry. Il est traumatisé maintenant. C'est un Tombéry femelle, pauvre con. Ouais, bah tu vois pas que sa lampe est bleue, putain, t'y connais rien, Tombéry. Putain, t'es vraiment. Ouais, je suis dégoûté. Donc pour ceux qui connaissent pas. Ah, ceux qui connaissent pas les Tombéry, ben on fera une petite vidéo webcam vite fait pour vous montrer. Non, mais pas comme si j'ai une vraie caméra là. Ah ouais, comme ça pas celle que j'ai enregistré. On vous montre le Tombéry comme ça là. Tu rigoles, eh. Oui, j'ai mon. Non, je crois que c'était mon expérience, c'est une chaussure. Tous les héros. Tintin, Action Man. Mais non, bordel, c'est pas ça que je trouve. C'est Denver, le dernier dinosaure. Ah, ok. Ah bah le vlog, il est là, Denver. Oh, ouais. Un ouais, ceux qui connaissent pas Tombéry, c'est le monstre de FF avec un petit couteau là. Alors, là, c'est putain de simple. Fuck. Factory. Farine. Falaise. Non. Non, je me suis bourré. Facteur. Facteur, ouais. Facture. Non. Facteur. Mais c'est quoi cette merde? Ah, ok. Bah, ouais, facteur, hein, c'est ce ça, que j'ai dit. C'est pas ça. C'est lab. Lab. Ah, oui, c'est ça. Lab Factory. Lab, un truc dans le genre là. Ça veut rien dire du tout. Fac. Non. Mais je comprends rien ton truc. Attends. Eh. Y'a pas le A justement. Laboratory, putain. Ah ouais. Ah ouais, normalement y'a un moyen de décoder avec la clé et le code, mais on s'en branle en fait. De déconner avec la clé et le code, comment ça? Bah là, tu vois, t'as ça, c'est le code, ouais. C'est la clé. Je key, code, et hop. Ouais, ouais, en fait, tu tires de ça. Mais merci de la traduction. Hein. Tu me prends vraiment pour une bite là. Key, code, trois, je sais pas traduire ça quand même. Laboratory. En fait, là, du coup, il dit retenir la ligne 3. Enfin, les colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là. Hein? Et là, faut 3 mots. 4 aussi? On s'en branle, c'est laboratory, on s'en fout. Mais 3, c'est A. Labora. Donc y'a pas L, y'a pas la 1. Ah non, faut enlever la colonne 4, 5. Ah non, c'est les lettres qu'il faut enlever. C, faut l'enlever. Donc t'enlèves C. T'enlèves C, D. Ah ouais, les 5ème lettre de l'alphabet, la, ouais. Etc. Ah ok, ok. En tout cas, ça fait laboratory. Ce qui est logique, puisqu'on va rentrer dans un laboratoire. Bah en fait, t'as même pas besoin de regarder le truc quoi. Ouais. Tu devines. Bon, faut savoir que c'est en anglais aussi, mais. Comme la queue du Tombéry, c'est quand même un truc. Ah, c'est épique, c'est. Shadow of the Colossus. Oh putain. Putain. Ah là, les phénomènes. Tu l'as encore au fait? Quoi, Shadow of the Colossus? Ouais. Bien sûr. Ah oui, c'est vrai, il y a une. Tu joues plus? Carrément, je suis en train de le refaire en mode difficile. Tu l'as pas fait encore en difficile? Non, je l'ai pas fait en entier en difficile. Donc, du coup, je fais une partie en difficile. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te fais une. Tu fais la technologie. Regarde, regarde. Oh, regarde. Attends, c'est pas qui se plante. Il peut crever au bout d'un moment comme ça. Non. Bah non, comme moi, t'as vu là, je l'ai fait 35 fois et pourtant ça m'a rien fait. En fait, c'est juste pour le faire tomber quoi. Bon, voilà. Tu vois, la musique elle est fun, c'est un peu mystérieux. Bibliothèque. Oh, elle est fun. Bibliothèque, c'est énorme. La bibliothèque. En tout cas, elle est énorme comme. Il est énorme. Puis on a la bibliothèque, ça me rappelle la scène de Monster là où il regarde le livre et. Oh yeah. Tout ça va être trop énorme. Avec un sniper.
Mais non, pas ça. Quand Joanne il regarde le livre. Ah oui, oui chiale, mais c'est là où il snipe. Ouais, mais c'est avant quoi. Quand il crie, bah, chiale. Oh, il me trouve pas. Tu m'auras pas. Et ouvre le livre là, vas-y. T'as vu, c'est pas des livres ça, c'est des caissons en fait. Bah, c'est des archives, ouais, c'est la salle des archives un peu. Même pas. Putain de zone de recherche. Putain de bordel de merde. Ah là, t'es dans la merde. Carrément pas, regarde. C'est trop. Énorme, hein.